les filles et bienvenue sur Laetitia Mode. Je vais vous faire une vidéo sur mes crèmes pour les mains. Alors, j'en ai une petite flopée, je m'en suis débarrassée, j'en ai donné pas mal à ma mère. Et du coup, je vais vous présenter que ce qu'il me reste. Donc, petite boîte avec le contenu. Enfin, j'ai deux petites autres boîtes à côté de moi. Donc du coup, je vais vous parler de ma première crème pour les mains que j'ai adorée. Donc c'est la crème de la marque Ecos Natura. C'est une crème pulpe pour les mains, hydratation intense à base de... Je ne me rappelle plus à quoi elle est. À la noix de castana. Elle est à la noix de castana et elle est géniale. Je l'ai eu dans ma Birchbox à l'époque, il y a 2 ans, j'étais abonnée à la Birchbox. Du coup, je l'ai arrêtée parce que elle me plaisait. Ça ne me plaisait pas trop de recevoir des échantillons où c'était marqué « échantillon ne peut être vendu ». Ça ne me plaisait pas trop d'avoir ça alors que je paye cette Birchbox. Je payais cette Birchbox pour avoir des échantillons, oui, mais des échantillons un peu plus convenables que ce qu'on peut nous donner à la pharmacie quand on y va et qu'on leur demande ou qu'ils nous en proposent, ou alors des échantillons qui n'ont rien à voir avec les échantillons qu'on peut avoir dans les parfumeries quand on va acheter un parfum. Voilà. Tout ça, ces échantillons, on les a au quotidien. Alors pourquoi acheter, payer une box qui vous fournisse en majorité des choses comme celle-là? Alors du coup, à l'époque, hein, peut-être que ça a changé. Mais en tout cas, voilà, je l'ai arrêté pour ces raisons-là. Et du coup, là, j'essaye de me trouver un bon plan en box. Il y en a beaucoup qui sont sortis en box beauté. Donc du coup, il faudrait que je m'y penche un peu plus. Mais en tout cas, dans les Birchbox, on avait aussi des belles surprises comme celle-ci en full size. Ça nous arrivait de temps en temps à avoir des produits full size. Du coup, j'ai bien aimé et je l'adore. Elle hydrate super bien, elle sent super bon, c'est un truc de fou. Ensuite, j'avais découvert les crèmes pour les mains de chez Equivalenza. C'est des crèmes pour les mains parfumées. J'avais fini celle à la fleur de cerisier que j'utilisais souvent l'hiver. Et ça, c'est celle que j'utilise l'été qui sent les fruits. Voilà. Ça sent vraiment les fruits. Donc celle-ci, elle a aussi du beurre de karité dedans. Ça sent vraiment... la mangue, la papaye, c'est frais et sucré et fruité en même temps. C'est frais et fruité en même temps, j'adore. Et par contre celle-ci, contrairement à elle, où elle, en full size, elle vaut 15 euros. Voilà, et ça fait 75 grammes. Il y a 75 grammes de produits dedans, donc ça vaut 15 euros. Et en même temps, c'est de la bonne marque, hein. Et là, chez Equivalenza, celle-ci, je crois qu'elle faisait 3,95€ ou un truc comme ça. Je sais plus trop. Je sais plus si c'était 3 ou 7. Je sais plus. En tout cas, j'en avais pris deux. J'en avais pris une Morito pour ma mère. Et j'ai pris la Dreaming Hawaii pour l'été. Et j'avais pris la fleur de cerisier pour l'hiver. Que j'aimais beaucoup. Je trouve juste que le beurre de karité met un petit peu de temps à pénétrer, c'est tout. Ensuite, j'ai eu pour mon anniversaire un coffret de crème pour les mains à l'Occitane. De l'Occitane. Donc du coup, j'ai eu celle-ci, la crème main pour les peaux sèches, la crème main classique, que j'adore. Commence à être un petit peu utilisée. Je l'adore, celle-ci. Et il y en a une à la rose que j'ai offert à ma mère parce que moi j'aime pas trop la rose. Par contre les deux autres, c'était un coffret de 3 crèmes pour les mains. Et les deux autres, je les aime et je les adore, quoi. Voilà. Et celle-ci, c'est de la même qualité. Et Ecos, c'est de la même qualité que l'Occitane. 15 balles le 75 grammes. En même temps, ça peut être que de la bonne cam, quoi. Voilà. Ensuite, j'ai découvert chez Netto cette crème pour les mains là que j'adore.
Elle est au beurre de karité, parfumée au gardénia. L'odeur reste, comme toutes les autres d'ailleurs. Voilà, si je vous les présente, c'est que celles-ci, elles m'ont fait kiffer, vraiment. Donc si vous avez un étau par chez vous, arrêtez-vous pour y découvrir cette petite crème pour les mains, c'est une merveille. Et ensuite, toujours un étau, j'avais pris plusieurs coffrets pour les mains comme ceci. Et sur un des coffrets, je n'ai gardé que celle-là. Il y en avait trois. J'en ai donné deux autres à ma maman. Et j'ai gardé celle-ci à la Magnolia qui sent super bon. Au niveau de l'hydratation, bon bah après voilà, c'est des produits netto. Donc ça n'a rien à voir aux produits L'Occitane. Mais je trouve qu'ils sont quand même bien. C'est pour ça que je les ai gardés, que je continue à les utiliser. Pourquoi je veux dire forfait moi? Coffret. Un autre coffret. Donc celui-ci, c'est le Baobab Oil. Crème pour les mains. Exotic Dream. Donc rêve exotique. Celui-ci, j'en ai gardé deux. J'en ai glissé un dans le swap vide tiroir. Avec Myriam. Enfin bref, voilà, je fais profiter à mes copinotes qui le veulent bien des produits qui sont assez sympas. Donc moi c'était une odeur qui me plaisait pas trop et je me suis dit peut-être qu'elle ça leur plairait. Alors, au lieu de perdre un produit, je leur en ai fait profiter. Du coup, donc dans la collection Baobab Oil, j'ai gardé la pêche citron et j'ai gardé la noix de coco citron vert. Et elles sentent super bon. Donc ça aussi, ça sera des crèmes pour les mains pour l'été. Ensuite, dans celui-ci, donc au beurre de karité aussi. Donc lui, c'est une crème pour les mains et ongles. Alors que l'autre, c'est juste une crème pour les mains. Donc elle est à base essentiellement de patchouli. Et on a des notes différentes dans chacune des crèmes. Donc dans celle-ci, c'est patchouli et bois de santal. J'aime trop le paquet, il est trop beau. Et ensuite, celui-là, c'est patchouli et ambre. Ils sont trop beaux, j'aime trop. Donc ça, c'est des crèmes que je vais utiliser pour l'hiver. Parce qu'à base de patchouli, c'est quand même assez chaud et épicé comme odeur. Donc je vais plutôt garder celle-là pour cet hiver. Là, l'été arrive, du coup, je vais me mettre comme crème pour les mains celle-ci et l'Exotic Dream. Voilà, je vais finir celle-là déjà. Et ensuite, une fois que j'aurai fini, j'ai les Exotic Dream à utiliser. Voilà, donc ça va être mes crèmes pour les mains de ce printemps et de cet été. Voilà, voilà. Écoutez les filles, j'espère que ça vous a plu. Je vous fais de très gros bisous. N'hésitez pas à me dire, vous également, qu'est-ce que vous préférez comme crème pour les mains. Quelle marque, quelle senteur. Moi, ça m'intéresse. Donc, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. J'adorerais les lire. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à bientôt.